Salut à tous et bienvenue dans le Nuclear Games. Donc c'est une découverte et pas une nouveauté sur le jeu Prison Architect que vous connaissez peut-être déjà. Donc du coup, ce qu'on va faire, personnellement, moi ce que j'avais vu, c'était des parties sur la création. Là, on va faire le jeu, le chapitre, enfin les chapitres qu'il y a. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Donc ouais, hein, c'est jeu en 2D, mais enfin moi je sais pas, j'ai bien accroché sur ce jeu, mais je ne connais pas le mode histoire, donc ça peut être sympa. Ok, donc le chapitre 1, c'est Couloir de la mort. Si elle prêtre là-bas, c'est que Moustache va mourir. On a un cas difficile. Un des prisonniers ici a été reconnu coupable de double homicide et condamné à mort. C'est bien. C'est là qu'on entre en scène. On est chargé de construire une chambre d'exécution à temps pour le jour J. Ok. Fondation. Bah, en béton. Donc là. Ok. Alors, on peut avancer le temps. Pas appel entrant, non. Vos ouvriers se chargent de la construction des bâtiments. Bien. Et récupéreront l'acier et le béton voulu dans cet entrepôt et l'amèneront jusqu'au site de construction. Ils serviront de ce matériau pour de base pour construire les fondations et la structure du bâtiment. Mais c'est rien à foutre. Il s'agit de la partie la plus lente. Planifiez donc les avant de construire des nouvelles installations. D'accord. Aux alentours, en attendant, utilisez les flèches directionnelles pour déplacer la vue. Ok. Et on peut. Bah voilà, moi je le fais comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'autre là, il est où notre copain? Est-ce qu'on peut changer le sol? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ah, du marbre! C'est la mort sur le marbre! Voilà, tu vois, boum! Et genre, tu vois, il faut qu'il se sente bien avant de mourir, on va lui mettre un joli petit parquet dans sa cellule. Voici l'homme en question! Edward Ramsey, c'était un professeur autrefois. Ce n'est pas à nous de décider s'il mérite cette peine, la justice a pris cette décision, nous ne sommes ici que pour faire un travail. Attends, ça fait vrai. Vous pourrez commencer le transfert du prisonnier jusqu'à sa nouvelle cellule, qui cliquez simplement sur le Polaroid. Pas de Polaroid de sa cellule pour commencer. Ah, ok. Même le prêtre. Putain, on fait peur le prêtre. Ok, alors, il faut que je mette du parquet là aussi, parce que là c'est moche. Et vu que là, c'est le chemin vers la mort, il faut qu'il se sente bien, il faut pas qu'il y ait de stress. Donc pour ça, il faut qu'il croive que là où on va, c'est bien, c'est cool. Donc on va lui mettre du petit gazon là. Tu vois, genre on est bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Allez les gars, Exaps bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ajouter une fenêtre à la cellule. Ok. Oh putain, oh, ça va être tellement clair. Ils mettent les rouleaux. Oh, tout va bien, je vais bien. C'est salaud. Allez, et on va en mettre là aussi du coup. Tac, là. Il va se sentir super bien le type. Voilà. Allez les gars, il faut rajouter des lumières. Bref, déjà on va s'occuper de la chambre de monsieur. On va lui mettre une fenêtre. Ça se trouve, le mec il va pouvoir s'échapper. Ok. Étagère. Oh putain, ben voilà de quoi prier. Un peu chiant. Ah mais non, mais il a fait du mal, c'est pas bien. Ok, il lui faut des lumières. Suis la lumière. Il n'y a qu'à pas tuer des gens. Aussi, quelle idée. Puis, hein, moi, j'ai pas le droit de juger. Je dois faire les choses bien, un peu de théâtre avant la mort. Edward, it's time. Et ça, c'est quoi? Page de carnet. Faut trouver des pages. C'est Slender, le truc. Chef de la sécurité. Allô? Il est l'heure. Putain, on dirait un peu Breaking Bad. Ne vous laissez pas pitoyer par ce type, c'est un tueur de sang-froid. La justice l'a reconnu coupable. Très bien! Il l'a même avoué. Vous voulez savoir ce qu'il a dit? Ouais, vas-y. C'est du saignant. C'était pas loin de 23h, les lumières étaient allumées. Je savais qu'elle était là. Oh, trop. Oh! Trop bien! Ah, on va voir le meurtre! Donc c'est vraiment lui! Oh, ils ont même fait les maisons et tout. Oh, trop bien.
putain, mais ouais, mais tu sais très bien où aller et tout. Oh la gourgandine! Ils font quoi là? Et toi? Ah, le. Ok, donc ils sont en train de s'amuser. Et là. Ah, c'est sa fille. Non, c'est ça. Sa femme, sa fille, c'est qui? Je savais bien que je vous trouverais là tous les deux. Putain, on dirait Alfred. Edward! Je suis nu. Tais-toi, c'est tout, tais-toi. Je suis pas content. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vois pas, il a un gun pointé sur toi, tu crois qu'il va faire quoi? Une musique stressante. Oh! Boum! Ok. Tu te... Ouais? C'est pour ça. Là, qu'est-ce qu'il est? Il va le frapper. Ah non, il est mat. Ah, il a jeté l'arme à côté. Non, mais t'aurais dû mettre sa main dessus. Genre, il est là, ça tue. Genre, tu vois, la belle mort, elle a bien caché les parties de monsieur. Et il se casse. Allez, salut! Ouais, c'est en fait, il est parti avouer, du coup. C'est parfaitement clair, à mon avis, il mérite chaque volte qu'il va recevoir. Ouais. Chaque homme mérite le pardon, même lui. Pensez-vous vraiment avoir le droit de passer sur lui un tel verdict? C'est vrai que parce que ce qu'il dit, du coup, il tue quelqu'un, chef de la sécu. Hein. Donc tu vaux pas mieux que lui. Une simple infidélité ne mérite pas d'être massacrée. Oui aussi, mais du coup, là, il a rien fait, il est en prison, il mérite pas de mourir forcément, on sait pas. Et il y allait avec une arme chargée, en sachant parfaitement qu'il les surprendrait tous les deux. C'est un double homicide avec préméditation. Oui, mais bon. Ah voilà, oui. Donc, ouais, il se l'allait balancer. Mais bon. Et très bien qu'il reste à la prison. S'il avait fait la même chose 100 km plus au nord, il n'aurait reçu que la perpétuité. Comment pouvez-vous parler de justice? Mais grave, vas-y, on peut pas annuler. Vous voulez vraiment qu'un type comme lui se promène en liberté? Je dormirai beaucoup mieux quand je serai. Ouais, ça va, et toi tu tues des gens tous les jours, tranquille, hein, toi t'as le droit de vivre. Ah pardon, mon patron. Du très bon patron, merci, je sais. Par contre, suggestion, on peut laisser en vie en fait? Ah, n'est pas fonctionnel, il n'y a pas de courant. Ah oui, c'est vrai. Mais il fait voir l'énergie. Parce que là en plus, ouais non, laisse tomber hein. Faudrait que je fasse le tour là. PDG. Oui, allô? On y est presque. Je pense qu'il vaudrait quand même mieux tester la nouvelle chambre d'exécution. Bon, une fois. Ah, bah oui, non, là c'est bon. Mettre le courant pendant quelques secondes, vérifier si tout va bien. Ça... il va y avoir une émeute. Ça va couper quoi que non, ils peuvent pas sortir. Ah, oh, merde. Bah oui. Il va faire tout noir. Eh oui, t'as qu'à me demander. Le pic de courant demandé par la chaise. Ok. Ouais, ok. Le mec, il est franglé. First, we need to turn the power back on. Il faut tout d'abord rétablir l'électricité. En deux étapes. Rallumer le poste électrique en cliquant dessus et en sélectionnant activer. Ok. Puis construisez trois condensateurs de plus. Non, mais. Ouais, non, on va en mettre tout autour. Pour finir, tester une nouvelle fois. Non, mais c'est bon, oui, on va en mettre tout autour. Alors, déjà, activer. Ok, déjà, ça, c'est bon. Condensateur. Oh, les bâtards. Ah, il veut pas. D'accord, bon. Bon travail. Je crois que nous en avons terminé. Ce qui est assez... N'est pas de notre sort. Bah, si, on le mène. Je n'en ai pas... Ouais, si, quand même. Non, 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 mais j'ai pas dit... Oh, God, j'ai reçu... Oh putain, non mais là c'est triste. Alors moi je l'avais vu dans un let's play de Rotan, une exécution. Mais moi c'était pas aussi triste. Enfin, dans sa vidéo c'était pas aussi triste. Putain, c'est Heisenberg là. Bon, je l'appelle Heisenberg, j'ai oublié son nom. Non mais là il y a vraiment Jésus, c'est le vrai Jésus. Puis-je vous aider? Ah putain, non, il vient se confesse.
Edward! Non, sérieux, ouais, il a les mains en sang, il a la croix. Non, mais en fait, là, c'est pour te faire regretter. C'est le même prêtre, en plus. Tu m'étonnes qu'il va pas laisser... Je ne sais pas, je dois faire quelque chose, je ne peux pas vivre avec ce que j'ai fait. Ouais, donc finalement, ça l'arrange qu'on tue. Vous devez vous rendre. Quel que soit le crime que vous avez commis, vous ne pouvez pas échapper aux conséquences. À moins de regarder votre passé en face, vous ne pourrez jamais vivre en paix avec vous-même. Je veux revenir en arrière, je veux lui pardonner, je veux... Bah, ah oui, non, mais là, tu peux pas, garçon. Quoi que vous ayez fait, Dieu vous pardonnera si vous le lui demandez. Ouais, c'est un bon homme, en tout cas, lui, il t'a condamné à mort. Mais vous devez répondre de vos crimes aux yeux de la justice, c'est le seul moyen. Si je construis ma prison, je sais pas si on met de chaise électrique. Hein. Ça la fout mal, hein. Oh, mais comment tu peux dire, il est temps, Edward, tu peux pas lui dire non. On va faire appel, enfin, je sais pas, ça me fait de la peine. C'est sa petite bouille, là. Il fait tout mignon, on dirait que c'est pas lui qui les a tués. Là, il fait un peu plus peur, sur la photo. Là, il fait criminel, là, c'est vrai. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, même si ce monde ne vous accordera pas le pardon. Ouais, c'est vrai. Ça le dit. Vous serez bientôt avec Dieu, et c'est lui qui prononcera sur vous le jugement final. Putain, t'imagines doublement, ok, tu vas en enfer direct, allez. Ça se trouve, en fait, c'est le flic, là, il va le tuer avant. En mode, ouais, c'est bon, t'as tué quelqu'un, je préfère le faire moi-même. Et après, c'est le flic qui va en prison. Et dans la vidéo que j'avais vue... Oh merde, fané le sol. J'ai oublié de mettre du marbre. Enfin, j'aurais dû mettre la mosaïque. Oh, c'est trop moche. Ouais, non, dans la vidéo que j'avais vue, il y avait des gens qui étaient venus voir l'exécution. Là, non, là, j'ai pas mis de chaise. Il va mourir seul. Oh là là. Ça la fout mal, quand même. C'est bizarre. Non, j'ai vraiment... J'ai créé qu'un truc pour tuer des gens. Il va où, lui? Pourquoi tu vas dans le coin, tu veux pas regarder? Ça sert à rien, la porte elle est là, si tu devrais aller surveillante là. Ah mais non! Oh god! Heisenberg, say my name. Edward Ramsey, Ramsey. Vous avez été reconnu coupable d'un double homicide au premier degré. Ah non, c'était pas au second degré. La sentence est la mort. Colompa. Avez-vous quelque chose à déclarer? Pardon? Suzanne. Ouais, je suis désolé. Tu peux l'être, tu l'as tué. Ils t'attendent tous les deux. Ok. Ok, bon bah voilà les gens, on va s'arrêter là. Si vous voulez une suite, pourquoi pas. Il y a le feu. Ok. Dans le chapitre 2, donc, on a une prison en feu. Je sais pas si vous voulez voir la suite ou pas. Si, voilà. Moi, j'ai fait cet épisode pour éventuellement vous faire découvrir ce petit jeu qui, moi, m'a beaucoup intéressé. J'avais vu un let's play dessus. Donc, voilà. Si vous voulez qu'on continue les chapitres, n'hésitez pas à le dire en commentaire sur ce que vous en avez pensé. On est en 2017. On reprend le Nuclear Game. C'était un plaisir. Je vous dis à la prochaine. À bientôt pour un nouvel épisode du Nuclear Game. Ciao, ciao.